Très cher Abel, très cher Karenak, très cher Ariana, très cher Anaïd et très cher Christine. Monsieur le Président de la République d'Artsar, Monsieur le Premier ministre de la République d'Artsar, Monsieur l'Ambassadeur de la République d'Arménie en Suisse, Madame l'Ambassadrice de la République d'Arménie en France, Monsieur le Consul Général de la République d'Arménie pour le Sud de la France, Monsieur le Président du Conseil National d'Arménie Occidentale, Monsieur le Représentant Permanent de la République d'Artsar en France. Cher Sopazan, cher membre de l'Église arménienne de Genève, et si vous me permettez, chers amis, Ardenjan, tu avais 68 ans. Tu es né le 25 septembre 1951 à Constantinople, dans une famille originaire de Mouch, en Arménie occidentale. Nos cœurs pleurent l'inconsolable douleur. J'ai eu la chance de faire ta connaissance il y a quelques années. J'ai découvert un grand monsieur. J'ai découvert un monsieur humble. J'ai découvert un immense patriote. Mais j'ai surtout découvert un grand frère que chaque Arménien au monde rêvait d'avoir. Il y avait en toi cet ineffable et indéfectible charme qui n'a jamais disparu. Tu étais intellectuellement brillant, attentionné en toutes circonstances. Tu avais en effet la passion d'enseigner et de transmettre l'histoire de l'Arménie, l'histoire de l'Artsar et le rétablissement des droits peuple arménien, car dans tes yeux reflétait le vécu de notre tragédie indélébile. Grand diplomate, tu avais à cœur de défendre la question de l'Arménie occidentale et des droits des Arméniens devant toutes les instances et les autorités d'État. Et tu as toujours rejeté les idées convenues par ton inégalable et si rassurant bon sens. Ton goût pour le débat s'est poursuivi tout au long de ta vie, non seulement dans la vie publique, mais aussi avec tes amis. Les Arméniens du monde entier, l'Arménie dans son ensemble, ont perdu l'une de leurs plus belles étoiles. C'est une part de nous qui disparaît aujourd'hui. Alors, avant de te souhaiter un doux et agréable voyage, je voudrais te faire une promesse. Te faire la promesse du plus profond de mon cœur, que nous continuerons plus que jamais à défendre les valeurs que tu nous as transmises. Aden, ton odeur est là, ton odeur est avec nous,